Et bienvenue pour ma 9e vidéo d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rebondir sur un matelas tout simplement. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, depuis l'avant-dernière mise à jour, ils nous ont rajouté des matelas de chute. Donc c'est des matelas d'urgence que vous déployez et que vous pouvez rebondir dessus. Alors c'est très efficace parce que si par exemple vous tombez de quelques hauteurs, donc de quelques étages, vous pouvez tout simplement appuyer sur X et boum, ça mettra un matelas de chute juste en dessous de vous, donc ça vous permettra de rebondir dessus et dès que vous rebondissez dessus, vous êtes immunisé aux dégâts de chute. Donc après vous pouvez enchaîner pour mettre un deuxième, un troisième et vous déplacer plus rapidement ou pour tout simplement organiser une attaque de front, donc ça peut être très utile. Mais là, c'est pas vraiment le but. Je vous expliquais juste un peu à quoi servait le matelas et comment vous pouvez l'utiliser. En tous les cas, ce que vous devez faire, c'est d'utiliser ce matelas pour rebondir dans trois parties différentes. Donc, je sais pas s'ils apparaissent en foire d'empoigne, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez déjà vu en foire d'empoigne. Je pense qu'ils n'apparaissent pas, mais c'est possible qu'ils apparaissent. En tous les cas, vous pouvez en trouver en solo, duo ou section, et vous pouvez fortement en trouver dans les colis stratégiques, ou alors vous pouvez en trouver dans les coffres, ou simplement poser là comme ça par terre. Donc, dès que vous en trouvez un, vous le placez, vous rebondissez une fois, et puis après, ben, vous pouvez quitter la partie et en relancer une si vous voulez rusher ce défi. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec et ciao. Peace.